Au cœur du palais présidentiel de Kaboul, c'est sans aucun doute la première à parler aussi bien le français. Merci beaucoup de nous recevoir. Je vous en prie. Je suis très contente de vous voir et de vous recevoir. Rola Rani, la première dame d'Afghanistan, est libanaise. Sa vie, elle l'a passée autour du monde, de Beyrouth à Washington, en passant par Paris et des études de sciences politiques. Mais jamais elle ne s'attendait à cela. Devenir, pour toutes les femmes d'un pays, un modèle, un guide aussi. Je ne m'étais pas rendu compte de l'importance du symbole que je représente. J'allais être une personne publique et j'allais parler franchement des problèmes qui existent en Afghanistan. Mais d'un autre côté, je ne croyais pas que j'allais avoir un effet aussi grand. Son destin a basculé il y a un peu plus d'un an. Son mari, Ashraf Ghani, est élu président d'Afghanistan. Et pour la première fois dans l'histoire du pays, une femme va occuper à ses côtés le rôle public de première dame. Rola Rani doit s'adapter. La jeune fille chrétienne qui a vécu mai 68 doit dorénavant porter le voile. République islamique oblige. Ses origines lui valent alors des critiques à travers tout le pays. Quand je me suis mariée, personne n'avait aucun problème. À l'époque, c'était beaucoup plus facile. Les gens ne s'étonnaient pas du fait que j'étais libanaise. Ça ne les gênait pas du tout que je sois chrétienne. Dans le Coran, c'est très clairement dit que les musulmans peuvent épouser les chrétiens. Son rôle est compliqué. Les problèmes de sécurité lui permettent peu de sortir, alors elle reçoit beaucoup, écoute et conseille, toujours entourée de son équipe entièrement féminine. Je veux que les femmes se sentent à l'aise, qu'elles puissent participer à plein dans la société. Et pour ça, elles ont besoin d'être respectées. Et donc, ce que je demande, c'est le respect de la femme. Elle en a fait son premier combat. Une histoire a bouleversé la première dame. C'était il y a quelques mois. Une Afghane était lynchée et brûlée par une foule en plein Kaboul, accusée à tort d'avoir brûlé un Coran, sans même que la police ne réagisse. Je n'ai pas pu dormir pendant plusieurs jours. Ce n'est pas acceptable. Quand il y a un état de guerre, surtout sur une si longue durée, il n'y a plus de normes sociales. La société n'existe plus. Et du coup, la norme, c'est la violence. La violence encore il y a quelques semaines, quand les talibans ont repris Kunduz, une grande ville du nord. Ils se filment ici, hissant leur drapeau sur les toits. L'occupation a duré 3 jours. Les talibans, qui sont toujours là, ils sont extrêmement puissants. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Ils sont présents, oui. Vous oubliez une chose, les talibans, ce sont des Afghans. Donc, c'est leur pays. Donc, ils sont là, oui, ils sont là. C'est une guerre psychologique qu'ils sont en train d'essayer de mener, en essayant d'attaquer un peu partout. Je crois qu'éventuellement, cette guerre, ils vont la perdre. Sans tabou, Rola Rani dit les choses comme elle les pense, avant de repartir pour une autre réunion. Merci, bonne continuation. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? La paix en Afghanistan. C'est ça que j'aimerais. Okay. Son franc-parler, son émancipation, elle l'espère, serviront de modèle pour les femmes d'un bout à l'autre de son pays d'adoption.